Eh, hey, Lucic, c'est que j'ai un Instagram, regarde, ça fait juste là. Paika, bah c'est moi en fait. Je mets des photos, des vidéos, des fois je fais des stories, elles sont drôles, t'as vu. Et si tu me rejoins, bah, je t'offre un McDo. Et du coup, bah, c'est bien, tu gagnes un McDo, tu vois, on le partage. Bon, tu paieras, mais ça c'est un détail. Mais en tout cas, voilà, bonne vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort, ciao, ça marche, ok. Tac, tac, là, tu me vois? Tac, l'ordi. Là, la chaise, on va la décaler un petit peu. Salut tout le monde, c'est Paika. J'espère que vous allez bien. Là, vous vous dites, mais il est où? Mais qu'est-ce qui... Eh, ça t'avait manqué ce petit truc, hein? Yo, ma gueule. Ça va ou quoi, la famille? Là, on est bien. Hop, on remonte les petites manches. Tranquille, pépouze, on est là. Je pense, ça dit quoi? Mon frère, on est là. On fait les bails. Au calme, tranquille, on est là. Ce que on est là signifie. Chômage, je suis en chômage, mais j'ai trouvé. Bon, les petits potes, vous savez pourquoi on est là? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai ici réunis avec moi en ce jour? C'est un grand jour. La France traverse une période assez dure. Ah, t'as cru! Vive la France, vive la République, vive Paika, ok, ok, vive Paika, ok, ok. Non, bon, plus sérieusement, j'avance la chaise quand j'avance. Pas bouger. Là, mon pote, commençons par le commencement. Déjà, les stickers des gagnants ont déjà été envoyés. C'est bon? T'as capté? Toi aussi? On est bien. Maintenant, j'en ai commandé 200. Tu te dis, ouais, le mec, il est chaud. Ils sont arrivés, la qualité était éclatée au sol. Comment te dire, c'était dégueulasse. Mais j'ai appelé Vistaprint, je leur ai fait, oh les frérots, vous savez qui je suis, vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est un événement sur la chaîne, ok? Ils me font, oui, on est désolé, monsieur Paika Bike, nos imprimantes est... Nos imprimantes... Pourquoi ils... Ça va frérot? Je te dérange pas trop avec ton tracteur? Salut! Salut à toi! Ouais, mais tu m'as mis un... Bon bref. Du coup, j'ai appelé Vistaprint, j'aurais dit bon les gars, là ça va plus, gros souci sur les stickers. Ils me font pas de soucis monsieur Paika, on est encore désolé, on vous le refait, on l'envoie dans la semaine. Ils ont été réglo, je les ai appelés jeudi ou vendredi, je les ai reçus là avant-hier. Donc maintenant, je les mets en vente. Malheureusement, j'ai pas de site internet, j'ai pas tout ça. Tout ce que les grands youtubeurs ils ont, je les ai pas. Donc, moi, ça va être un moyen assez banal, on va dire. Tu vois, là, il y a les Kikanina, Bitume, Wallan, tous ces gros youtubeurs là. Et moi, je suis vers là, tu vois. On n'est pas dans le même bateau. Du coup, si jamais il y en a, ils veulent m'en acheter, tout va se passer sur PayPal. En gros, là, dans la description, il y a le lien PayPal. Il y aura aussi là, par ici, ou par là, même peut-être au milieu. Peut-être ça prendra tout l'écran. Il y aura le tarif des stickers, mais pendant 24 heures. Donc, à compter de cette vidéo, donc elle sera à 18h30. De 18h30 d'aujourd'hui à 18h30 demain, ils seront d'une à moins 50%. Et de deux, il y aura une petite surprise à l'intérieur. Bike à bike, t'as capté et tout, on fait les choses bien. Je te mets bien. On est avec la pépette. Ah, moi, ça, elle est là. Elle attend qu'une seule chose, c'est de... Revenons à nos sujets. Du coup, dans la description, vous avez le lien PayPal pour acheter des stickers. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous allez sur le lien. Quand vous allez sur le lien et que vous me mettez la somme que vous voulez. Du coup, moi, en fonction de la somme, je saurai combien vous en prenez, combien vous en voulez. Il faudra juste me mettre en commentaire votre nom, prénom, adresse, votre numéro de téléphone au cas où il y a un problème de livraison, au cas où l'adresse n'est pas bonne, au moins voilà, je peux vous appeler si jamais il y a un problème, tout ça on fait les choses bien, t'as compris. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est stickers, j'espère que j'ai tout récapitulé. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez un truc à demander, c'est soit en message Insta, soit en commentaire. En commentaire, je suis un peu plus réactif, alors que sur Insta, c'est un peu plus compliqué pour moi. Maintenant, on va passer à la FAQ. Est-ce que t'es prêt? Il y a des voisins ici, ici et ici. Imagine s'ils entendent, s'ils font « Ouais, il y a un mec qui parle tout seul dans son jardin, tu vas te calmer. Hein. » Bon, du coup, vous avez été assez nombreux quand même. Je me suis pas spoilé, hein, je sais pas ce que vous m'avez dit, pas dit. Allez, c'est parti, à toi. Oh non. On va mettre le téléphone dessus, pas bouger. Nicolas, il me dit « Salut Paika, d'accord, je dois dire que ton contenu est juste énorme ainsi que tes vidéos. Moi j'ai une question, combien de kilomètres à ta bécane et as-tu rencontré des soucis particuliers ?» Fais à toi, merci d'avance pour ta réponse. Alors écoute mon petit Nico, je me permets de dire mon petit Nico parce que voilà, tu vois. Écoute, j'ai jamais eu de problème avec ma moto, juste un moment j'ai pas du tout pensé à regarder le niveau d'huile et elle a bouffé un peu beaucoup d'huile. Alors pourquoi, je ne saurais pas te dire. Maintenant j'ai remis de l'huile et tout va nickel, elle en bouffe pas, enfin elle en bouffe un petit peu mais c'est très peu comparé à avant. Il n'y a rien, cette moto est juste
Prada. Salut Paika, je suis un jeune abonné qui vient de m'abonner. Merci, ça fait plaisir. Et j'avais plusieurs questions te concernant. Comptes-tu faire des essais moto? Tu roules où? Comptes-tu faire une rencontre abonnée plus tard? Alors, voilà, j'espère que c'est pas trop de questions de la part de Moshi Biker, nouveau sur le motovlog. Eh bien, écoute, salut à toi, Moshi Biker. Comptes-tu faire des essais moto? Alors oui, d'essayer le 690 SMCR, parce que c'est une moto que j'ai jamais essayée, que j'ai toujours vue. J'aimerais voir comment t'es assis dessus, comment tout ça. Le 700, hein, j'aimerais bien l'essayer aussi. Le Honda XADV, il a l'air pas mal en vrai. Il a l'air bizarre, mais il a l'air stylé. En vrai, une Harley, ça serait marrant parce que t'es comme un frérot, ça me ferait délirer, tu vois. Tu roules où? Je suis de Montpellier, donc je roule aux alentours de Montpellier, à Montpellier centre, hein, tu vois Montpellier? Tu vois, il y a Montpellier qui est là. Moi, je suis par là. Comptes-tu faire une rencontre abonnée plus tard? C'est prévu, bien sûr, c'est prévu. J'attends le déconfinement pour pouvoir faire ça sur Insta, que ça soit bien, que ça soit propre. Merci à toi d'avoir posé tes trois questions. Sabrina, depuis quand t'as voulu être motard? Continue, tu es le meilleur. Alors, j'ai voulu être motard, les bons connaissent, les moins bons connaissent pas. Je sais pas si vous connaissez Apothéose et Hydrogène. Ça, pour moi, c'était ma référence quand j'étais jeune. Ils étaient en 125. Apothéose était en Juke et Hydrogène, il était en RC, je m'en rappelle. Enfin, ils étaient tous les deux en Juke au début, mais après, Hydrogène, il y a eu un accident. Enfin, bref, il est passé en RC. Et moi, voilà, je me suis dit, quand je regardais les vidéos de Apothéose, quand après il est passé sur son 690, je fais, c'est ça que je veux, frérot. Et maintenant. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, je veux du moins être motard. Après, les vidéos, c'était autre chose. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer. Après, mes potes, ils m'ont fait, ouais, ce serait trop marrant et tout. Et je fais, bah, pourquoi pas essayer. Du coup, j'ai essayé. Ça a plu, ça a kiffé. Vous aimez, je vous aime. Du cœur comme ça. Alessio, salut Paika, j'espère que tu vas bien. J'aimerais acheter un 125, mais je sais pas lequel choisir. Pourrais-tu me donner des conseils? Merci, force à toi, j'adore tes vidéos. Je peux pas entre guillemets te donner de conseils, tu vois. Moi je te dis ce que je pense. La Juke c'était ma moto, donc forcément c'était que du bénéf, tu vois. C'était que du. Moi je te dis, essaye-les. Va en concession et tu demandes à les essayer. Parce qu'en soi, c'est toi comment tu vas le ressentir, ta position. Je peux pas t'aider en soi. Mais je te dis juste, va les tester. Moi, c'est le seul truc que je peux te dire en tout cas. Lolite Stalex. J'espère que je l'ai bien dit. Je sais pas, mais. Question, tu fais quoi comme étude? Comptes-tu faire des modifications sur la radio? Continue tes vidéos. Ne nous fais pas comme Apothéose et Hydrogène. Ah ouais, putain, je suis dégoûté qu'ils aient dû arrêter. Je sais pas pourquoi. Perso, je ne sais pas pourquoi. T'as fait quoi comme étude? Ben écoute, j'ai fait un bac pro cuisine. Donc, je suis actuellement dans la restauration. Comptes-tu faire des modifications sur la Duke? Alors oui, je compte en faire. Je peux pas vous dire, parce que tu vois, ce sera l'évolution de la moto quand elle va être. Machallah. Petite pièce anodine, petit truc sur les jantes. Peut-être kit déco, je sais pas encore, parce que tout ça, ça coûte cher, c'est un coût. À voir comment ça se passe, à voir combien ça coûte, tout ça. Mais ça peut être possible. Donovan. Hey, salut BG. L'année prochaine, je compte me prendre un 50cc, mais je sais pas trop quoi choisir. Aide-moi, s'il te plaît. Alors, en 50, je suis désolé, mais je m'y connais, mais pas du tout. Je peux pas t'aider parce que moi, j'ai commencé par une 125, mais en 50, je sais qu'il y a un pote à moi, il a une derby. Et franchement, c'est très très bien. Mais en 50, je suis désolé, frérot, mais je peux pas t'aider quoi. Apoc. Salut Paika, j'ai une question. Comme tu l'as dit dans ta vidéo avec la télé, je crois que je ne t'ai pas de voiture. Mais alors, si ton frigo est vide et que tu dois faire des courses, comment fais-tu? J'adorerais que tu me répondes. Signé Apoc Raptor. Alors Apoc, pour te répondre, eh ben écoute, je prends un sac et j'y vais comme ça. Donc voilà, je fais mes courses comme tout le monde, mais avec ma moto. PK Vert. Salut, tu as déjà essayé de faire du cross, cela pourrait divertir la chaîne. Donc gros GG pour les 10K, continue comme ça. Alors, salut à toi, j'ai jamais fait de cross, mais franchement ça me ferait kiffer parce que je sais que ça a rien à voir, mais rien à voir avec la moto sur route quoi. Mais bon, je pense que c'est très très physique, tu vois, genre. Pourquoi pas un jour essayer, franchement ça me ferait que kiffer, je pense. Et j'en ferai bien sûr une vidéo. Prochaine question. Yes. Freeze. Il y a la rumeur que le grand Paika aurait un zizi de 25 cm, est-ce vrai? Sinon continue comme ça, bravo pour tes dicks. Aïe, je me suis fait mal, tu vois, je me suis tapé. Alors, 25 cm, tu sais ce que c'est 25 cm? C'est long, hein. C'est très très long quand même. Non, ça c'est ouais quand même, là tu vas un peu loin frérot. Jérémy, salut Paika, j'ai une question à laquelle j'aimerais que tu répondes car je veux m'acheter une 125 2018, enfin une 125 Duke 2018. Quand tu l'avais avec le poids Acra, tu t'es déjà fait arrêter avec une amende pour le bruit et roulais-tu souvent sans chicane? Continue comme ça, tes vidéos sont super cool, tu me fais penser à Green, mélange de Carbon 23 avec d'autres youtubeurs, ça fait très plaisir ça. Que je suis aussi. Tu rigoles souvent, on sent que tu aimes faire des vidéos comme eux. Et qui sait, un jour on se croisera sûrement. En vrai, depuis mon iPhone
5SE, le mec il a un iPhone 5SE, ça le dit quand il écrit un mail, pop pop pop. Alors écoute, je me suis fait arrêter une seule fois pour le bruit de ma moto, c'est tout. Et sinon, j'étais souvent derrière la police, j'étais souvent devant la police. Je les longeais comme ça et jamais de soucis. Après, je faisais pas non plus un rupteur devant eux, tu vois. Je faisais attention. Mais j'ai jamais eu de problème en soi avec la police par rapport à ça. Donc, si tu fais pas le con, entre guillemets, à faire des rupteurs dans tous les tunnels ou quoi, ou devant la police, ou devant tout ça, ça va. Mais si tu fais ça, là, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses beaucoup plus contrôler. Mais en tout cas, merci pour tes trois questions en une seule. Lusco, FAQ Pike. Salut frérot, déjà bien joué pour ta vidéo, tu gères, continue comme ça. Ensuite, peux-tu nous expliquer rapidement ton parcours YouTube du moment où tu t'es dit je vais commencer YouTube jusqu'à ce que où tu bandes devant tes dicas MDR. Force à toi, j'espère un jour qu'on pourra rouler ensemble. Mais comme j'ai dit, j'ai pas mon parcours, j'ai pas non plus parcours de ouf, tu vois, j'ai pas 100 000 abonnés. Mais depuis le début, écoute, je faisais mes vidéos avec mes potes, je roulais ce qu'il y avait, enfin je filmais ce qu'il y avait sur la route, je roulais, je filmais, je rentrais le soir chez moi, je faisais mon petit montage, ça me faisait kiffer, tu vois, tranquille. Si jamais il y avait personne qui l'a regardé, frérot, je me serais posé la question à me dire ouais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je fais ça encore. Et là, frère, je me suis dit, ça monte crescendo. Après, j'ai eu 200. Là, je suis à 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000. Là, je suis à 15 000. Je fais waouh! Tu vois, genre, je suis choqué. Ah, là, j'ai pris une position, frérot. Je suis pépouze. Là, je vais dormir. Tu vois. Non, non, mais franchement, merci à vous. Ça me fait très, très plaisir. Et vous êtes au top, quoi. Vous êtes juste magnifique. Mathéo, salut Païka. Voici ma question pour ta FAQ. D'où est venue la passion de la moto, pour la moto? Bah écoute, comme j'ai répondu tout à l'heure, c'est Apothéose et Hydrogène qui m'ont fait kiffer la moto, quoi. Doucey, j'espère que ça se dit comme ça. Doucey. Question, tu comptes faire carrière dans la musique? Vu que tu chantes bien, on voit ça dans tes vidéos. PS, fais gaffe, si tu continues, YouTube va copier tes vidéos. Continue, ne change pas, je kiffe les vidéos. On est là depuis les... Ah ouais, 400 abonnés, bah ça fait très plaisir. Hein. Merci franchement. Et peut-être un jour The Voice. En tout cas, merci frérot. Ethan, salut Païka, est-ce que tu pourras nous montrer ton visage? Merci pour ton, je sais pas. Ta frère, t'as écrit merci pour ton, je t'adore, bye. Ben merci pour, mais je sais pas quoi tu m'as dit merci, donc merci frérot. Et un jour, peut-être, je montrerai ma tête. Mais pour l'instant, je préfère rester tranquille ou quoi. Night of Game. Yo Païka, j'ai pour les 10K, je te suis depuis la vidéo où tu as fait la Harley de ton... C'est pas mon père, mais c'était marrant. Ma question, quelle moto comptes-tu acheter quand tu ne feras plus de ads? Aussi, quelle est la moto de tes rêves, Peace et V de Navarre? Bah écoute, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Déjà, je finis mes 2 ans avec celle-là, j'ai bien kiffé. Après, pourquoi pas la mettre en full, voir ce que ça donne, pourquoi pas peut-être la 1290. En vrai, les motos qui me feront kiffer en A2, en A, c'est 1290 et la MT10. C'est vite fait. Mais trop trop puissant et trop cher. Fabien, pour la FAQ, tu as quel âge, tu as quel permis et depuis quand? Salut et bon courage. Tu vas te calmer déjà, tu... Voilà. Alors j'ai 19 ans, mon anniversaire c'est le 6 octobre, donc si tu fais le calcul là, on est en 2020, je vais avoir 20 ans le 6 octobre. Tu as quel permis? J'ai le permis A2, j'ai pas le permis voiture encore, donc il faudrait que je le passe. Et depuis quand? Eh ben, j'ai le permis A2 depuis un an, juin, ça fait un an que je l'aurai. Oh le papillon, il est parti, j'ai vu un papillon et il est parti. Donc voilà, ça fait un an que j'ai mon permis A2. Après, prochaine question. Le mec s'appelle Cornichon, frérot. Je suis un petit youtubeur qui commence et je voudrais savoir ce qu'est le mieux entre deux motos. Genre la première, c'est une 125 KTM Supermotard. Entre deux motos, mais tu m'en as dit qu'une seule, frérot. La première, c'est une 125 Supermotard. En tout cas, la 125 KTM Supermotard. Mais si tu peux prendre ça comme moto, fais gaffe, mais c'est magnifique. C'est très très bien. Charles 24. Salut Païka, voilà ma question. Pourquoi un 690 Duke et pas un 690 SMC? Continue comme ça, tu gères, je te kiffe, gros V. Bah écoute, pourquoi un Duke? Parce que j'aimais bien, parce qu'au moins ça continuait sur ma 125. Et pourquoi pas un 690? Parce que le 690 c'est plus cher que la Duke. Du coup, le choix il était un peu vite fait, quoi. Après, Gush, qu'est-ce qu'il me dit? Salut, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aimerais savoir, je passe mon permis A2, tu me conseilles quoi comme première moto? PS, je voulais un MT-07 ou MT-09, crois-tu que c'est possible? Alors, MT-09, c'est pas possible parce que c'est pas bridable, mais MT-07, c'est largement possible. Re-PS, j'aimerais beaucoup passer dans ta réponse FAQ. Je te soutiens un max, gros V à toi, Rider. Eh ben écoute, comme première moto, une MT-07, si tu prends ça, c'est largement suffisant. C'est la moto de tout jeune motard, on va dire. Elle est fiable, elle est maniable. Tu peux faire beaucoup de kilomètres avec, franchement, au top. Et en tout cas, ben, t'aimes beaucoup mes vidéos. Écoute, merci beaucoup, ça me fait très, très plaisir.
très 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 plaisir. Allez. Sinon, bah, vous connaissez, je vais chanter, ça va pas aller là. Adrien, tu préfères la team GHB ou tes abonnés? Ah, il me tue ce mec. Mes abonnés, là, tu... Bon, en fait, j'aime les deux, mais les abonnés, tu comprends? Ils sont 15 000. La team GHB, on parle de Call of, les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris, je joue avec le confinement, je me suis mis à Warzone, là, tout ce gros bordel. Et j'ai une team avec mes potes, et dont Bereyo qui a créé la... Le... Comment on appelle ça? C'est le régiment, je crois que ça s'appelle, je sais même plus, tu vois. Ah, sans réfléchir, frère, c'est mes abonnés. 25 ou 15, alors que là, on est 15 000, frérot, t'as compris. Charlie 690. Bonjour Paika, ma petite question. Combien as-tu acheté la 125 et à quel âge as-tu eu la 125? Continue, tu gères PS, tu t'améliores en wheeling. Ouais, en wheeling, ça commence à... En plus, il y a Instagram, les gars, petite pause Instagram. Eh hey, Lucic, c'est que j'ai un Instagram, regarde, ça fait juste là. Paika, bah c'est moi en fait. Je mets des photos, des vidéos, des fois je fais des stories, elles sont drôles, t'as vu. Et si tu me rejoins, eh ben, je t'offre un McDo. Combien j'ai acheté ma 125? Eh bien, écoute, en soi, je ne sais pas parce que c'était un cadeau de toute ma famille, mais j'ai contribué, j'ai mis plus de 2 500 euros, en sachant que je travaillais pas, je faisais des extras pour avoir ces sous, tant que je travaillais pas, que j'avais pas un plein temps, tu vois. J'étais juste en extra, donc je travaillais le soir dans un resto, je faisais du 19h, 22h30, et à quel âge as-tu? Je l'ai eu pour mes 17 ans, donc trop content, t'as capté, trop content, 17 ans, bébé. Épouse. Et quand tu gères bien, tu améliores une ligne. Ouais, je sais, on commence à s'améliorer un petit peu. Dun, salut Paika, je suis de Montpellier comme toi. Tu fais des balades organisées? Si oui, est-ce que tu les mets réseaux sociaux? Continue, tu gères, je te kiffe trop. Alors oui, j'en fais des balades organisées et je les mets sur Instagram. Donc les gars, suivez-moi sur Instagram et vous aurez tous les détails pour les balades. Après, Lucas. Salut Paika, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir les modifications que tu comptes faire sur la KTM. Peux-tu me faire une pub Insta, s'il te plaît? Mon nom, c'est Lucas-du-bas S775. Les gars, si vous vous abonnez, allez-y, ça lui fera plaisir. Voilà, continue comme ça. Tu es le meilleur. Grand V à toi et à tous les motards. Alors, comme j'ai dit, modifications, pour l'instant, les pépettes, ça coûte cher. Bientôt, il y aura quelques petites modifications visibles sur la moto. Célestine, j'allais dire Célestin, mais non, il y a un E à la fin. Célestine, ben, c'est très joli, Célestine. Coucou, pour ta FAQ, je me demandais comment est venue la passion de la moto. Alors, la passion de la moto, comme je dis, c'est grâce à Apothéose et Hydrogène du cœur. Pour tes stickers, ils sont juste trop beaux. Merci beaucoup. GG pour les dédicaces, tu les mérites. Merci encore beaucoup. Et j'adore tes vidéos, elles sont juste trop bien. Ben, merci à toi, Célestine. Théo, salut Paika, je voudrais savoir si le 690, si le 690 Juke est plus puissant qu'une MT en accélération, en reprise, etc. Continue comme ça, je kiffe tes vidéos. Alors, plus puissant, personnellement, je trouve un petit peu. Tu fais un départ arrêté, je le gagne. Et moi, c'est un mono, donc ça a plus de patates. Vitesse de pointe, il me bouffe, ça c'est sûr, parce que moi je suis à 170, lui doit être allé 190-200. Reprise, ça je sais pas, mais je pense que ça doit se tenir, tu vois. Je pense que. Lui, ça doit venir progressivement, alors que moi, ça viendra un peu plus rapidement, je pense. Je te dis ça, je sais pas, je suis pas mécano, donc tu vas pas, arrête. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen. Alors, la question de Sophie. Salut, un gros piste de Jacou, et comptes-tu faire une rencontre abonnée? C'est tout pour moi, ride safe. Eh ben écoute, ma petite Sophie, clairement, je vais en faire une après le confinement, donc soyez chaud, soyez là, soyez présent sur Insta, parce que ça va surtout se passer sur Insta pour vous dire à quelle heure, ou tout ça, tout ça. Même si je pense que ça va se faire devant le cinéma, Odysseum, c'est le mieux. Clairement, c'est le mieux. C'est tout, nickel. Bon, ben les gars, c'était la dernière question. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas. Putain, on dirait pas qu'il y a un... Oh. Je me suis tapé le... Ça fait... On dirait pas il y a un nouvel angle de vue. Moi, je suis pas bien là. Je sais pas, il y a un truc là que... Attends, on va peut-être faire ça comme ça. Ça va être mieux. Bon les gars. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, la selle. Oh, elle est brûlante. Oh, elle est... Eh, mais les gars, ça y est, on est en été là. Bon, en tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous ce petit moment. Même si c'est pas... C'est pas... Peut-être pas là à côté de moi, tout ça. Mais c'est virtuel. Mais c'est... Pour moi, c'est trop bien. N'oubliez pas, voilà, enfin n'oubliez pas. Pour ceux qui voudront, il y a les stickers. Dès l'instant où la vidéo sortira, bon, de toute façon, j'ai expliqué en début de vidéo, vous avez entendu, donc voilà. Dès l'instant où la vidéo sortira, il y aura au moins 50% pendant une journée. T'as capté. Faut bien que tu mettes à chaque fois ton nom, prénom, adresse, pour pas que je me trompe, pour pas qu'il y ait de problème, de soucis. On est nickel. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Paika, et moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette petite ambiance comme ça là. Moi j'ai kiffé, ça m'a fait plaisir. Et voilà, je vous dis à vendredi prochain. Je vous fais de très très gros bisous. C'était Paika. Des bisous, des bisous. Allez, gros bisous.